Une excellente intro pour démarrer le vidéo test, enfin plutôt la vidéo découverte plutôt. Salut à toutes et à tous, c'est Setsky et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte de, comme vous pouvez le voir à l'écran, et magnifique écran titre, Pokémon version Ride 2, ou plus précisément Pokémon version blanche 2. Donc c'est un jeu qui est sorti au Japon vers le mois de juin 2012, si je dis pas de conneries. Et le jeu est sorti le 12 octobre 2012 chez nous en France, donc il y a 2 jours, vu qu'aujourd'hui on est le 14 octobre. Donc c'est un jeu édité par Game Freak et Nintendo et développé par Game Freak. C'est un jeu de rôle au tour par tour et d'aventure. Et ce jeu est conseillé au tout public par PEGI, le système de classification par âge pour les jeux vidéo. Voilà. Donc on va peut-être se décider à appuyer sur Start. Voilà. Donc le Pokémon qui était là, donc c'est le Pokémon légendaire qui est normalement sur la jaquette du jeu. Si je me souviens bien, il le disait dans la pub qui passait à la télé souvent, je crois que c'est Kyurem blanc. Et dans la version noire, c'est Kyurem noir, si je dis pas tout, vraiment que ce soit l'inverse, je ne sais plus. Donc, à la base, cette vidéo ne devait pas arriver tout de suite. Normalement, enfin au début, je voulais vous faire le vidéo test de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Mais en fait, j'hésitais entre soit faire la vidéo découverte de Pokémon, soit le vidéo test de Dragon Ball. Et bon, après un moment de réflexion, je me suis dit, bon, autant faire Pokémon tout de suite. Et donc, du coup, le vidéo test de Dragon Ball Z arrivera la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc, là, on est sur un petit menu à ce que je vois. Donc, aussi, je tiens à préciser que le jeu, je vais le découvrir en même temps que vous. Hein, c'est une vidéo découverte parce que le jeu, je n'y ai jamais touché avant. Enfin, j'ai juste joué une dizaine de minutes juste pour voir si ça marchait bien. Mais sinon, j'ai pas vraiment joué. Donc, je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Donc, voilà. Donc, alors, les différentes options que nous avons ici. Donc, on a nouvelle partie. Donc, pour commencer, nouvelle partie. Quête au mystère. Donc, ça, c'est un mode qui existait déjà depuis les premiers jeux Pokémon sortis sur DS. Donc, à partir de Pokémon version Diamant et Perle. Donc qui permet en se connectant sur internet ou avec la connexion sans fil, on pouvait échanger des objets avec soit en se connectant sur internet, soit en se connectant avec des amis avec la connexion sans fil. Voilà, on pouvait s'échanger des objets et des trucs comme ça. Et voilà. Et les liens d'Unis, par contre, ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est sûrement une nouveauté de Pokémon version blanche 2. Paramètres CWF Nintendo, donc ça c'est les paramètres, enfin la configuration pour la connexion Wi-Fi Nintendo, hein, donc pour se connecter à internet, faire des échanges avec le monde entier, faire des combats avec le monde entier aussi, etc. Et test micro, donc c'est pour tester le micro de la Nintendo DS, parce que on a la possibilité dans ce jeu d'utiliser son micro, donc je sais pas pourquoi encore, hein, mais je pense qu'on va peut-être le découvrir. Donc je vais faire une nouvelle partie. Je me suis encore trompé. Je me trompe souvent de bouton. Donc une nouvelle partie. Et quel langage souhaitez-vous utiliser, français ou japonais? Donc bien évidemment français, hein. Oula. Si vous voulez que ça lague un peu là. Bon, hello, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Ketelaria, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Donc, Professeur Ketelaria qui était déjà dans l'opus précédent, donc Pokémon version blanche ou noire. Hein. Et donc, oui, ce Pokémon version blanche 2 ou noire 2, hein, selon la version que vous avez prise, est assez spécial, je vais dire, parce que. En fait, d'habitude, à chaque nouveau jeu Pokémon, voulait dire en fait nouvelle génération de Pokémon. Donc par exemple Pokémon Diamant c'est la 4ème, Pokémon version blanche et noire c'était la 5ème. Et là, au lieu que Pokémon version noire et blanche 2 soit la 6ème génération, et bien en fait non. C'est toujours la 5ème et c'est juste que c'est une nouvelle aventure en fait. Donc c'est ça que je trouve assez particulier. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveaux Pokémon, enfin je pense pas. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez dommage. Donc alors... À chaque début de jeu Pokémon, le questionnaire habituel, es-tu une fille ou un garçon? Oh, la fille, elle est vraiment pas mal. Mais vu que je suis un mec, je vais prendre le mec. Es-tu un garçon? Oui. Quel est ton nom? Donc voilà, hein. Donc là, je suis en train de jouer normalement à la version
la version anglaise, non la version japonaise, je dis n'importe quoi là, la version japonaise du jeu. Juste je fais un petit réglage vite fait. Donc voilà, excusez-moi, il fallait juste que je fasse un petit réglage vite fait parce que j'avais pas assez d'espace sur un de mes disques durs sur mon ordi. Donc oui, il faut que je donne un nom à mon personnage. Donc je vais l'appeler 7. Est-ce qu'il y aura la place? Non, il y aura pas la place pour mettre 7 Sky, donc 7. Ou non, je vais l'appeler Seto, tiens, ça fera peut-être plus japonais. Japanese! Seto, c'est ça. Bah, sans déconner. Quel joli nom, c'est super trognon. C'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part, enfin bon. Permets-moi de te présenter ton rival. Donc oui, hein, notre rival, on en a toujours un nouveau à chaque nouvel opus de Pokémon. Hein. Donc voilà. Donc lui, on va l'appeler Tony. Ouais, je vais l'appeler Tony. Et le Y. Voilà. Excusez-moi, je suis toujours aussi malade que dans ma vidéo des Teletubbies. Et d'ailleurs les Teletubbies n'a fait que accentuer, on va dire, mon malaise, hein. Donc je ne remercie pas du tout les Teletubbies. Et voilà, donc là le professeur Ketelaria nous dit qu'on va entrer dans un monde fantastique où on va rencontrer plein de nouveaux amis, plein de nouveaux Pokémon. Ah oui, là vous pouvez voir qu'il y a marqué Summer, donc c'est le système des saisons qui est toujours là, hein. Avec été, automne, hiver et printemps. Donc les saisons qui influent sur l'apparition de certains Pokémon. Et aussi on aura toujours l'horloge en temps réel intégrée dans le jeu. Donc les différentes heures aussi vont influer sur l'apparition des Pokémon. Donc c'est ce que je trouve très bien. Voilà. Donc magnifique petite intro avec une superbe ville en 3D. Déjà je peux vous dire que graphiquement... C'est vraiment excellent, hein. On n'a vraiment pas l'impression d'être... enfin si un peu, mais je trouve que pour de la Nintendo DS, c'est vraiment pas mal. Et je tiens à préciser qu'on est vraiment sur la Nintendo DS simple, hein, pas sur la 3DS. Hein. Donc je trouve ça excellent graphiquement. Donc... alors là c'est le vote kit qui sonne. Donc il y a un accessoire qui était déjà présent dans Pokémon version blanche et noire, donc les versions précédentes. Alors, allô, tu es sûr? Il n'aurait pas fallu longtemps, je te recontacte. Oh, c'est bien que mon enfant ait pour mission de remplir le Pokédex. Mon professeur, qui est-elle? Oui, Bianca, je la connais, elle a un gros chapeau vert. Non, oui, oui, d'accord, d'accord. Pardon. Donc c'est tout, je suis rentré. Ah, et on peut contrôler notre personnage, oui. Donc là, à ce que je vois, c'est notre chambre. Bon, alors là, ils ont été encore plus radins qu'avant. Parce que si vous vous souvenez bien, d'habitude, notre chambre était une grande pièce qui se trouvait à l'étage. Et là, bah, ils nous l'ont foutu à côté de la salle à manger. Super. C'est franchement pas super sympa. Vous voyez, donc sur notre lit, il y a quoi? Un lit tout neuf, d'accord. C'est vide. Donc voilà, là je suppose que c'est notre mère. Hein. Connais-tu le professeur Ketelaria? Il est connu pour ses recherches sur les Pokémon. Demandez. Donc Ketelaria et moi sommes de vieilles amies. Nous ne nous sommes pas vus depuis un moment. Bien, voici ma question, Seto. Veux-tu avoir un Pokémon? Bien évidemment, ma chère maman. On a passé la première étape. As-tu déjà entendu parler du Pokédex? Ben oui, hein. Donc, pour ceux qui le savent pas, mais ce qui est, je trouve, pas vraiment possible, si vous avez déjà joué à un Pokémon dans toute votre vie, le Pokédex est en fait une sorte de petite machine, une sorte de petite Game Boy, si on peut appeler ça, qui enregistre toutes les données sur les Pokémon qu'on rencontre et qu'on capture. Donc forcément, les données seront plus précises
sur un Pokémon capturé plutôt que sur un Pokémon qu'on a seulement rencontré? Aimerais-tu avoir un Pokédex? Bien sûr. Génial, l'étape 2 est réussie. C'est tout, voici ce que tu dois faire. Tu dois aller voir une fille nommée Bianca. C'est l'assistante du professeur. Elle porte un gros chapeau vert. Allez, tu dois trouver cette Bianca. Prépare-toi et cours chercher ton Pokémon et ton Pokédex. Ah, j'ai oublié, j'ai placé le Vodkid dans ton sac. Te souviens-tu comment ouvrir ton sac? Oui, donc comme dans tous les opus Nintendo DS, il faut simplement appuyer sur le bouton X de la console. N'oublie pas de te souvenir que le bouton X ouvre le menu. Maintenant, va trouver Bianca. Ok, c'est parti mon kiki! Ah oui, donc juste... Là oui, ça c'est une console, oui. Ah oui, alors là par contre, vu que là je... C'est le patch version française qui est pas très, on va dire, comment dire, très complet, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'il y a certains passages qui sont du jeu qui sont restés en japonais. Mais si vous achetez le jeu en magasin, il sera tout en français intégralement. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, on va quitter ça. Donc, vous avez pu voir aussi que notre chambre était à côté. Et que malheureusement, comme dans tous les opus Pokémon, la mère du héros n'a pas de chambre. Donc, conclusion, elle dort soit dans la salle à manger, sur le canapé, soit dans la cuisine. Ou alors sur la table, on sait pas. Donc, on va sortir. Et donc, notre mission là est d'aller retrouver Bianca. Voilà. Donc, maison de Seto, oui. Ah. Et c'est vraiment magnifique, vous pouvez voir le reflet sur le reflet de l'eau, les nuages, vraiment bien fait. Et graphiquement, je trouve que c'est vraiment super bien fait, vraiment pas de soucis. Le pouvoir de la science est incroyable. Maintenant, avec les communications, on peut se connecter et jouer jusqu'à 100 joueurs. Sérieux? Ah bah c'est vraiment génial ça. Ah, j'ai vraiment hâte de m'acheter le jeu sur la console originale. Donc là, je suis entré dans la maison d'un vieux couple. Hein. Voilà. Donc je suppose qu'il doit pas y avoir grand-chose. Blablabla. Bon, il parle en japonais, donc je suppose que tout ça, ça doit pas être très important. Donc on va quitter. Enfin, on va quitter la maison, quoi. Excusez-moi. Donc, et c'est tôt. Oui, donc là, c'est notre rival, Tony. Donc, il s'appelle Tony, je vous rappelle. Yo, tu as déjà ton Pokémon. Cet endroit est totalement vide et sans dresseur de Pokémon. Ça m'ennuie. Quoi? Nanana. Qui est Bianca? Elle est venue te donner un Pokémon. Sœur de Tony, c'est tôt. Quand tu auras ton Pokémon, prends-en soin. Oui, bien sûr, hein. Je vais pas le martyriser, t'inquiète pas. C'est d'accord. Génial, nous allons avoir des Pokémon. Devenons des dresseurs Pokémon. Ok. Retourne à la maison, d'accord. Au revoir, Seto. Au revoir, Tony. Ok. Ok, allons trouver Bianca. C'est parti. Oui, c'est parti. Donc, ah non, d'accord, c'est moi qui... contrôle, donc apparemment il me suit et là il parle japonais, je ne comprends absolument rien de ce qu'il raconte. On peut voir le lac, d'accord. Donc là d'ailleurs je sais même pas dans quelle ville on est, donc c'est la ville de comment on prononce ça, c'est la ville de Pavonai. Ouais, d'accord, elle continue de se développer. Donc là, si j'ai bien compris, on est à Pavonai, oui, d'accord. Donc là, c'est le centre Pokémon, hein, là où on peut soigner nos Pokémon. On ira plus tard au centre Pokémon, bah oui, donc ça sert à rien vu qu'on n'a pas de Pokémon, hein, on n'a rien à aller soigner. Donc on va continuer. Et si je me souviens bien où il faut aller ici. Donc là, point de vue de Pavonai, une vue incontournable. Qu'est-ce qu'ils sont chauvins. Donc on doit aller ici normalement. Et Tony regarde cette personne au niveau du point de vue de Pavonai. Ça pourrait être Bianca. Allons voir en haut.
Dépêche-toi, je veux avoir un Pokémon. D'accord, hein, te précipite pas. Non mais oh, tu vas me parler meilleur, sinon ça va mal aller pour toi. Donc, oui. Ouh! Ah ouais, ça le fait. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. Cette rotation de caméra en fonction de nos déplacements, c'est un peu comme dans Pokémon version noir et blanche, donc les versions précédentes. Vraiment pas mal. Vous pouvez voir une superbe vue, je vous laisse profiter. Magnifique. La vue est fantastique, je suis d'accord. Hey, qu'est-ce que vous faites? Oh, attends, oui, mon nom est Bianca, je suis l'assistante du professeur Ketelaria qui vit à Runway. Voilà, donc qui est le nom de la première ville des versions précédentes. Je cherche quelqu'un qui vit ici, pas de chance, désolé, mais est-ce que tu connais Seto? Oui. Quoi, tu es Seto? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Bianca, c'était notre amie dans la version précédente, hein, vu que dans la version précédente, on contrôlait une autre personne, donc un autre dresseur de Pokémon, qui avait comme amis Chiren et Bianca. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est que j'avais commencé un walkthrough de Pokémon version blanche. Mais le truc, c'est que vu que je l'avais commencé à partir de mon ancien ordinateur portable, hein, vu que je vous avais expliqué dans le début de ma vidéo de Sonic Generation qu'il avait bugué, ben du coup, ma partie était sur l'autre ordinateur. Donc du coup, il faut que je re-télécharge sur mon nouvel ordinateur la ROM de Pokémon version blanche pour continuer le walkthrough avec vous. Ce qui est assez chiant, mais bon, tant pis, hein, je vais le faire quand même. Et le walkthrough reprendra d'ici peut-être quelques semaines. Enfin, je vous préviendrai de toute façon. Donc, la Bianca nous dit de choisir un Pokémon entre les trois starters qui étaient exactement les mêmes d'ailleurs. Qui étaient exactement les mêmes que dans la version précédente. Donc, Dipulier le Pokémon Plante, Urikui le Pokémon Feu et Moustillon le Pokémon Eau. Voilà, qui ont des designs qui me reviennent pas trop. Franchement, à partir de la troisième génération des Pokémon, on sentait déjà que ça commençait à devenir de la merde. Hein. Mais bon, là, ils ont fait fort quand même. Bon, encore, là, ça va. Mais les évolutions, je vous assure que c'est quand même assez choquant. Bon, alors, moi, je vais prendre Moustillon, parce que c'est celui que je préfère parmi les trois. Enfin, c'est surtout par rapport à son évolution finale. Bon, qui est assez moche, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais bon, elle n'est pas pire que celle de Grucu, qui vraiment... non, je ne vais pas lui donner de surnom. Qui est vraiment pas pire que celle de Grucu, parce que franchement, si vous verriez l'évolution finale de Grucu, franchement, c'est vraiment à s'en donner la mort, parce que c'est vraiment horrible. Donc, Seto obtient le Pokédex, oui. Est une encyclopédie sur les Pokémon, donc voilà, hein, je voulais expliquer ce que c'était tout à l'heure. Tu vas pouvoir voyager, il y a beaucoup d'endroits à visiter dans cette région. Ok. Donc là, je peux partir. Mais malheureusement, il y a Tony, donc notre pote, qui va venir nous faire chier. Et qui va agresser Bianca pour avoir lui aussi un Pokémon. Ouais. Je veux devenir un dresseur de Pokémon. Ouais, on est content de le savoir. Oh non, tu as pas cédé à ces menaces, voyons. Non, je déconne. Bon, alors, elle lui donne un Pokémon, oui. Donc, c'est parti, nous allons voir qui est le plus fort. Vipelière, allons-y. Et donc nous faisons un combat contre notre rival, donc Tony, ici. Donc comme dans tous les jeux Pokémon, notre rival prend le Pokémon qui a l'avantage sur nous. Donc si j'avais pris Grucui, il aurait pris Moustillon. Vu que j'ai pris Moustillon, il a pris Vipelière. Et si j'avais pris Vipelière, il aurait pris Grucui. Donc voilà. Bien évidemment, si vous connaissez les Pokémon, hein, vous savez que pour gagner, il faut faire preuve d'un minimum de stratégie, hein, et de réflexion. Hein, donc toujours prendre le Pokémon qui a l'avantage du type sur l'autre et aussi qui a beaucoup plus de niveau que lui, on va dire. Donc le système de combat m'a l'air le même que dans la version précédente. Hein. Donc fight pour choisir une attaque. Pokémon pour changer de Pokémon. Et bon, vu que j'ai Moustillon, cette action ne me sert à rien pour l'instant.
Run c'est pour fuir, mais on ne peut pas s'enfuir d'un combat de dresseur, ça c'est comme ça depuis Pokémon version verte, rouge et bleu sur Game Boy, ça n'a pas changé. Et ça donc c'est les poches de notre sac, hein, avec les potions, les Pokéballs, les objets de combat, les soins statuts et tout ça, donc soit un PV pour nous redonner des PV en plein combat, Pokéball pour capturer un Pokémon sauvage uniquement, hein, pas un Pokémon qui appartient déjà à un dresseur, sinon c'est du vol et puis de toute façon ça marche pas. Soins statuts c'est pour régler les problèmes de statut comme brûlure, paralysé, glacé, etc. Et objets combat c'est pour pendant un petit moment augmenter les l'attaque, la défense et tout ça de nos Pokémon. Bon, on va peut-être se battre, donc je vais utiliser l'attaque Mimique pour commencer. Et c'est pas de chance, c'est lui qui commence. Mimique. Donc si c'est Vipelear qui commence, c'est tout simplement parce qu'il a une vitesse plus grande que la mienne. Mais moi, j'ai une force plus grande que la sienne, donc ça devrait le faire. Oui, je comprends rien de ce que tu dis, mec, hein, laisse tomber. Donc on recommence. Non. S'il me fait un coup critique, je suis dans la merde. Allez, un dernier coup. Ah, c'est bon, je gagne. C'est parfait! Le Vipelear est KO. Et ouais, mec, t'as pas eu de chance, je suis désolé pour toi. Et je gagne 94 points d'expérience. Et du coup, Moustillon passe au niveau 6. Voilà. Ah, je pensais que j'allais passer au niveau 7, mais non. Blablabla, chinchou, cha 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 chang. Et je remporte 500 Poké de l'art. Voilà. Je sais pas pourquoi à chaque fois on gagne de l'argent combat des dresseurs, hein. C'est sûr, comme le disait le joueur du grenier dans sa vidéo, c'est du racket. Et le racket, c'est pas bien, c'est puni par la loi. Donc, ah, j'ai perdu, je vais entraîner mon Pokémon. Eh bien, ce n'est pas une mince affaire. Bien, je passe devant, mon Pokémon va devenir fort. Ok. Vous semblez être proche. Assurez-vous de toujours tout donner. Ton Pokémon est blessé, allons au centre Pokémon, je vais te montrer où c'est. Non mais c'est bon, j'avais vu, hein, merci, hein, je suis pas con comme toi. Hein. Et parce que Bianca, fallait voir comment elle était dans la version précédente. Ouh là là, fallait toujours lui tenir la main. Donc voici le centre Pokémon, c'est le même dans chaque ville, ce qui le rend facile à trouver. Ça c'est sûr qu'un bâtiment tout rouge avec le logo de la Pokéball dessus, ça passe peine aperçu. Donc on y va. Et oui, donc le centre Pokémon est exactement le même que dans les versions précédentes à ce que je vois. Donc je vais, pour ceux qui connaissaient pas les versions précédentes, je vais quand même vous le faire visiter si on me laisse la possibilité. Donc elle soigne mon Moustillon. Et ici c'est le PC. Ah oui, donc qui permet de stocker les Pokémon, hein, donc en général, enfin normalement, c'est qu'on ne peut porter que 6 Pokémon sur soi et lorsqu'on en capture beaucoup plus, on peut les stocker dans le PC. Et après, à tout moment, on peut faire des échanges entre les Pokémon stockés dans le PC et les Pokémon de notre équipe. C'est très pratique. Suis-moi. Donc voici la boutique Pokémon. C'est ici que tu peux acheter des objets, vendre ceux qui sont inutile, les Pokéballs servent à capturer les Pokémon, elles s'achètent ici, oui. Tout comme les potions et comme les autres objets qui nous servent pendant et hors combat. Ah, donc elle vient de nous donner une Pokéball, hein, c'est sympa de ta part. Elle a mis l'objet dans poche objet. Suis-moi, je vais te montrer comment capturer un Pokémon. Oh, mais c'est bon, pas la peine d'être assisté comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la boutique où on peut acheter les objets dont on a besoin. Donc pour l'instant il n'y a que des Pokéballs et des potions. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les villes, normalement ils proposeront beaucoup 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 plus d'objets à acheter. Non, quitter. Donc oui. En haut, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, j'ai oublié le nom, donc ceci ne peut pas être encore utilisé. Donc ça c'est une espèce de grosse map monde, donc qui vous permet d'enregistrer votre position. Donc comme ça au moins lorsque vous ferez des combats dans le monde, et ben vos dresseurs, enfin vos dresseurs, les dresseurs dans le monde sauront où vous habitez, hein.
Voilà, si vous êtes en France ou autre part dans le monde, il suffit d'enregistrer votre position ici et comme ça au moins les gens sauront où vous êtes. Donc, nous sommes pas encore prêts. Donc, ces trois emplacements-là, donc qui, enfin, ce sont des emplacements qui permettent de faire soit des combats en Wi-Fi, enfin, non, comment dire, des combats en Wi-Fi, hein, donc contre le monde entier. Normalement, si je me souviens bien, ici, ça c'est pour faire des échanges de Pokémon. Et ici, c'est pour combattre avec vos amis possédant une DS et le même jeu que vous, vie à la connexion sans fil. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, on continue. Bonjour, c'est Toh. Oh, tu as choisi Moustillon. Donc là, c'est notre mère, je crois, si je dis pas de conneries. Je pense que c'est un bon choix. Oh, j'ai failli oublier. J'ai des chaussures de sport. Ah oui! Enfin! Donc les chaussures de sport qui sont apparues lors de la troisième génération de Pokémon, donc avec Ruby, Saphir, Émeraude sur Game Boy Advance. Donc qui nous permet en maintenant le bouton B enfoncé de la console de courir, ce qui est très pratique. Tu auras aussi besoin de ça. Ça, je crois que c'est la carte. Au soit, voilà, carte. Donc, qui permet de voir la carte de la région de. Je sais même pas dans quelle région on est en fait là. Je sais pas si c'est Unis comme dans la version précédente ou si c'est une toute nouvelle région. J'en sais rien du tout. Car vous pouvez voir toutes les régions, d'accord. Et je suis content d'avoir été là. Suis-moi. Allons sur la route 19. Je vais te montrer comment capturer un Pokémon. Ok. Là, je suis dans les 27 minutes de vidéo. Donc, il faut pas que la vidéo dure trop longtemps quand même. Hein. Je vais essayer de faire moins de 40 minutes. Et si c'est nécessaire, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous montrer le jeu. Mais pour si je le fais, je vous préviendrai de toute façon. Ah oui, d'accord. On était déjà passé par là. Donc, si j'ai bien compris, on doit continuer. Ouais. Et c'est Toh, tu n'as pas de Pokémon, qu'est-ce que c'est? Moustillon est ton Pokémon, accepte ce cadeau, j'insiste. Reçois potion. Oui, donc qui nous permet de redonner des points de vie à nos Pokémon s'ils sont blessés pendant le combat. Donc voilà. Ça c'est le panneau défilant hein, qui était déjà présent dans les jeux précédents. Donc Shanky Town, Uze Toh Avel. D'accord. Là ils nous ont fait un mélange de japonais, français et anglais. Ils sont trop forts ces mecs. Enfin bref. D'accord. Continuons. Ah, c'était pas mal hein, la façon dont il présentait la route. Hein. Donc, hey, viens ici. Bianca, je me souviens encore quand j'ai appris tout ça sur la route 1. Hein. Yeah, je vais t'expliquer ça en détail. Les pages de Pokédex se mettent à jour quand tu rencontres un Pokémon. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un autre dispositif est mis en place afin d'obtenir d'autres informations quand on capture un Pokémon. Ça aussi, je vous l'avais dit. Pour que ce soit plus clair, je vais te montrer. J'espère qu'elle va pas se foirer, hein, vu que comment je sais qu'elle est maladroite. Un chakrim. Ah oui, le thème des combats aussi a été légèrement remixé. Même si on le reconnaît quand même un petit peu par rapport aux versions précédentes. Ponchio utilise charge. Chakripan utilise rugissement. Pardon. Et donc, Bianca utilise la Pokéball. Aussi graphiquement comment dire on va dire comment je pourrais dire ça les phases de combat voilà c'est graphiquement c'est vraiment très bien hein. Depuis qu'on est passé à Pokémon version blanche et noire ils ont fait un effort pour que le stade enfin l'environnement dans lequel combattent les Pokémon soit tout en 3D donc ce qui est dommage c'est que les Pokémon eux sont en 2D donc c'est pas très grave. Mais vraiment, graphiquement, je trouve ça magnifique. Il y a aussi, je vous ai pas montré, mais parfois des rotations de caméra.
Il y a aussi des petites images en arrière-plan qui correspondent à l'endroit où vous combattez. Par exemple, il y aurait eu des buildings et tout si c'était en ville. Sinon, des hautes herbes si c'était dans la nature, quoi. Donc, route 19. Je suppose que je peux continuer. Conseil au dresseur. You come all this way, so talk to everyone. Donc alors, ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire vous pouvez parler à tout le monde, donc parler à tout le monde pour qu'on puisse vous aider en vous donnant des informations. Si j'ai bien compris, hein. Désolé, je suis pas las le big boss de la planète Terre en anglais, mais bon, je fais de mon mieux, hein. Un ratentif sauvage apparaît, donc il est hors de question que je capture ce Pokémon. De toute façon, à chaque fois, à chaque nouvelle génération, j'ai toujours eu un Pokémon que je détestais. Première génération, c'était Rattata, je ne supportais pas sa tronche. Deuxième génération, je crois que c'était Granivolt, si je dis pas de conneries. Troisième génération, c'était Zigzaton. Oh non, encore Zigzaton, ça va, il était pas horrible. Troisième génération, je crois que j'en ai pas. Quatrième génération, c'était... comment il s'appelait? Pas Ratentif, mais celui qui ressemble à Ratentif, c'est Kenotor, voilà. Ah, lui, je pouvais pas le supporter, vraiment, je le haïssais. Et dans la cinquième génération, c'est Ratentif que je ne supporte tout simplement pas. Ah, Moustillon est passé au niveau 7 et apprend pistolet à eau. Ah oui, je voulais parler à cette personne. Ce que je fais, je cherche des Pokémon dans l'herbe. Blablabla, oui. Ils nous disent des trucs qu'on connaît déjà. Route 19. Hey dresseur, c'est qui lui? Je suis Goya. Voyager avec son Pokémon, c'est nouer de solides liens entre un dresseur et son Pokémon. Oui, d'accord. Et qui es-tu? Ah, tu es Seto de Pavonnet. Oh, j'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'il fait là? Ton moustillon est un bon Pokémon. Tu m'as bien très fort avec ton Pokémon. Très bien, viens me voir plus tard. Et où est-ce que je suis censé te trouver en fait, espèce d'imbécile? Bref, donc continuons. Et là, on est à Sangui. D'accord. Juste, je vais retourner en arrière parce que j'ai cru voir un objet là-bas. Ouais, une Pokéball. Et je fais un combat avant. À moins que ce soit une Pokéball piégée. Un chacripant apparaît, donc ce sera l'occasion d'utiliser la nouvelle technique pistolet à eau, donc qui est l'animation exactement la même que dans les versions précédentes. On peut croire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de changements, donc je pense qu'ils auraient pu faire un effort pour ajouter plus de Pokémon, hein. Au lieu de ça, ils ont repris exactement les mêmes Pokémon, c'est juste que on va dire l'environnement dans lequel on évolue est différent. Donc ouais, encore une bonne façon de faire payer les gens un peu pour rien, mais bon, si je trouve ce jeu, je vais quand même l'acheter par curiosité. Et puis hein, ça, c'est un jeu Pokémon, donc en général ça reste excellent, mais bon voilà, au bout d'un moment faudrait peut-être se renouveler un peu. Sais-tu que tu peux rebondir? Et ça je le sais déjà, donc intervention qui servait absolument à rien. Donc, oui. Suis-moi, d'accord, je vais te suivre. Et là, je suis dans les 35 minutes, je vais bientôt arrêter. C'est ici que je leur apprends tout. Au fait, qu'est-ce que tu fais avec deux cartes sur toi? Deux cartes? Il y a une pour ton ami. Ah, j'ai remarqué que quelqu'un est venu plus tôt avec un Vipolière. Il est parti sur la route d'or pour entraîner son Pokémon. Allez, tu dois lui apporter cette carte. Audouin est par là-bas. D'accord. C'est bon, ça va! Punaise, qu'est-ce qui... Je viens de le rencontrer, il commence déjà à m'énerver. Donc, je pense que je vais bientôt arrêter la vidéo, hein.
D'accord. Ensuite, conseil au dresseur. Ah non, c'est juste pour nous indiquer que c'est la route 20. Et donc, notre premier combat contre un dresseur qu'on rencontre sur la route. Hein. Avec, au passage, une musique bien sympathique, même si c'est exactement la même que dans la version précédente, encore une fois. Donc, il a un ralentif niveau 4. Franchement, qu'est-ce que tous les dresseurs vont avoir des ralentifs, je veux dire, ils servent à rien, quoi. Arrêtez un peu avec vos ralentifs à la con, là. Putain, ce sont des vrais tétacles là, que ces Pokémon. Et voilà. Ce fut très facile. Et j'ai battu le dresseur. Super! Donc, on continue. Une nouvelle dresseuse. D'accord. Une fillette, oui. Ouais. Donc, on va encore utiliser pistolet à eau. Ce sera vite réglé. Rugissement, ouais, donc un truc qui sert à rien. Ouais. Et encore une fois, charge. Donc voilà, c'est fini. Et Moustillon passe au niveau 8. C'est fantastique. Et j'ai battu fillette Isabelle. Ok. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Sinon voilà quoi. Donc juste pour faire un petit tour du côté du menu. Enfin de la pause quoi. Donc l'option Pokémon. Donc pour voir ses Pokémon hein. Résumé. Et aussi si vous vous souvenez, lorsqu'on touchait notre Pokémon sur l'écran tactile, il bouger comme ça, donc là je touche l'écran avec ma souris hein. Donc brave de nature, oui, on a un peu vaniteux, ouais d'accord, ouais. Sinon qu'est ce qu'on a, Pokédex, oui, Vipelière. Et donc vu que c'est pas un Pokémon que j'ai capturé, j'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Sinon on a quoi, Moustillon, mis à part ça on a Ratentif, Chakripan et c'est tout. Ça c'est ma carte de dresseur. Ouais. Et ça normalement ce sont tous mes badges que je suis censé gagner à la fin. Et si je regarde bien, les champions sont quasiment les mêmes que dans la version précédente. Ouais d'accord. Sac. Ah oui, donc on a la poche à Pokéball, la poche à potion, le vote kit, le registre ami, la carte. Et sinon mis à part ça on a rien. Donc juste, non, juste la carte, je voulais voir. Donc la région, est-ce qu'on est toujours à Unis là, j'en sais rien. Mais si, c'est là, c'est exactement la même ville. Ben oui, port machin, Volucité, la ville la plus grande du jeu. En fait, mais on est exactement dans la même ville en fait. Oh là là, les mecs. Bon là, je connais pas le jeu en entier, mais j'espère quand même qu'ils ont fait quelques améliorations pour pas que ça soit juste un copier-coller de Pokémon version blanche ou version noire. Donc voilà, j'espère quand même que ce jeu en vaut le détour. Donc je pense que je vous ferai, donc là je vais faire une sauvegarde. J'espère que, enfin je vous ferai plutôt, je vous ferai d'autres vidéos de Pokémon version blanche 2, je pense. Juste histoire de vous montrer un peu plus de choses. Je sais pas si j'en ferai un walkthrough, je verrai hein. Prévenez, au pire je vous préviendrai. Et voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là.
C'était cette Sky pour une vidéo découverte de Pokémon version blanche 2 sur Nintendo DS. Et on se quitte sur ces images. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tests. Salut à toutes et à tous!